Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Plein de bonnes choses pour vos proches, pour vos amis. Plein que du bonheur. Hein. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2024. On se retrouve bien évidemment pour le débrief du match US Revel Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour les 32e de finale de Coupe de France. Victoire sans trembler des Parisiens, 9 buts à 0. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 16e minute de jeu. À la 38e, Nguessan marque contre son camp. 43e, but de Marco Asensio. À la 45e, Mbappé inscrit un doublé. Puis un triplé à la 48e. 71e, but de Gonçalo Ramos sur pénalty. 76e, but de Randal Kolo Muani. 87e, Shaheen Doura inscrit le 8e but parisien. Et la 90e, Randal Kolo Muani inscrit un doublé. Et avec ce résultat, les hommes de Luis Enrique sont qualifiés pour le tour suivant de cette Coupe de France. Le prochain adversaire des Parisiens sera l'US Orléans. Bon, par où commencer? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant cette rencontre. Globalement, on a assisté à une attaque-défense quasiment tout le long du match. Même si le premier quart d'heure était plus en faveur des amateurs de Revel, hein, cette équipe de Régional 1, si je ne me trompe pas, c'est la 6e division en France. Ils ont, comment dire, ils nous ont bousculés, hein, ils nous ont gênés dans les 15 premières minutes. Hein, tu voyais que ils ont eu quelques situations sur coup de pied arrêté. Ils ont essayé de mettre en difficulté Keylor Navas. Heureusement pour nous, voilà, ils étaient pas assez précis dans le dernier geste. Mais très rapidement, on ouvre le score dès la 16e minute de jeu grâce à Kylian Mbappé sur une belle passe de Carlos Soler à l'entrée de la surface, attaquant français qui reçoit ce ballon et enchaîne avec une frappe croisée. Cyril Garcia, le capitaine gardien et capitaine de cette équipe de Revel, est battu. Donc ça fait 1-0 pour les Parisiens. Et après le premier but, on a senti les Parisiens ils allaient dérouler. Hein. On a mis un gros coup derrière la tête aux joueurs de Revel. À la 38e, on fait le break avec le but de Nguessan contre Consonquin, un CSC du défenseur de Revel, sur un débordement de Nordi Mukiele côté droit qui rentre dans la surface de réparation. Le centre, il est dévié par le défenseur. Alors, de toute façon, même si ça n'avait pas été défenseur, il y avait Gonçalo Ramos qui était juste derrière lui. Donc, dans tous les cas, ça fait 2-0 pour les Parisiens, puis 3-0 à la 43e, pardon. Avec le but de Marco Asensio sur une nouvelle fois une passe de Carlos Soler qui a fait un très gros match au milieu de terrain. L'Espagnol qui lance dans la profondeur l'ancien joueur du Real Madrid qui ajuste Garcia d'une frappe croisée, plat du pied gauche, c'est propre. 3-0 et ça déroule encore une fois avec Mbappé à la 45e. Magnification, encore une fois Carlos Soler à l'origine du doublé d'Mbappé. L'Espagnol qui trouve Asensio dans la surface, déviation en une touche de balle, aile de pigeon. Hein. Le but était magnifique. Hein. Asensio qui dévie avec une aile de pigeon et Mbappé qui marque de la tête. 4-0. Donc là, on avait plié le match. Hein. Revel, on savait très bien qu'ils n'allaient pas revenir durant cette partie. 4-0. Puis deuxième période, on prend les mêmes et on recommence. Asensio passeur, Mbappé buteur à la 48e. Hein, Asensio qui rentre dans la surface avec une belle action collective. Hein, c'était à l'origine de l'action, c'était un jeu collectif, jeu en triangle. Asensio qui rentre dans la surface et qui sert Mbappé à côté de lui. Il marque dans le but vide. Hein, il entre, le gardien de Revel était sorti dans les pieds d'Asensio, mais c'était trop tard pour lui. Il ne pouvait pas récupérer le ballon. La passe était déjà faite. Donc là, ça fait 5-0. Et il fallait attendre les 20 dernières minutes pour voir un nouveau but. Mais Paris qui était en mode gestion pendant une vingtaine de minutes. Paris qui obtient un pénalty à la 71e avec Gonçalo Ramos qui pousse le gardien de Revel à la faute. Tu vois, bon, il y a un petit contact, c'est vrai, je le trouve un peu sévère. Mais voilà, il y a faute quand même. Pénalty pour le PSG, Gonçalo Ramos qui le transforme sans trembler, pleine lucarne. Donc ça fait 6-0 et puis 7, hein, 7-0 à la 76e grâce à Kolo Muani sur un très bon débordement de Nordi Mukiele, le latéral français qui centre, Mbappé qui laisse filer pour Kolo Muani qui marque sans trembler. Comme je disais, 7-0, 8-0 à la 87e avec Shaheen Doura, un magnifique but, hein, Shaheen Doura qui pour une fois joue un match, hein, on ne l'avait plus vu depuis un bail.
Sherin Dour qui sur un service de Mbappé à l'entrée de la surface, enchaîne avec une patate, pleine lucarne, 8-0. Et après la 90e, Colomoni qui marque le 9e, hein, sur une passe en profondeur de Danilo Pereira. Et puis l'attaquant du PSG prend de vitesse le gardien de Revel. Hein, il le dribble avant de marquer dans le but vide. 9-0. Donc voilà, Paris qui a maîtrisé son sujet, qui a respecté l'adversaire. Alors, sur le score, on peut croire, oui, c'est une humiliation, mais on a quand même joué jusqu'au bout, tu vois. On ne s'est pas arrêté à 5-0 en se disant, bon, bah voilà, on va laisser pendant 45 minutes le ballon. Enfin, tu sais, on va. Voilà, ils ont quand même. Paris a joué quand même jusqu'au bout. Ils n'ont rien lâché. Bravo, en tout cas, à cette équipe de Revel. Malgré le score, ils se sont bien battus. Bah voilà, ils se sont battus avec leurs armes. Donc, bravo à eux, malgré tout, pour ce match. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. L'11 de départ se affiche juste ici. Donc, le schéma tactique était un petit peu bizarre de la part de l'entraîneur espagnol. Des fois, on joue en 4-3-3. Après, on joue en 3-5-2. Puis ensuite, en 4-2-3-1. Moi, j'ai plus vu un 3-5-2 avec un numéro 10. Donc, on avait Keylor Navas dans les buts, le gardien costaricien qui faisait son retour dans l'11 de départ. Ça faisait plus d'un an qu'il n'avait plus joué avec le PSG. Navas qui était de retour dans les cages. La défense à 3, donc on avait Lucas Beraldo à gauche, Danilo Pereira dans l'axe, Emmanuel Ugarte à droite. Ugarte qui jouait dans un poste assez hybride. Le milieu de terrain, donc on avait Sherin Dour et Carlos Soler, hein, devant la défense. Marco Asensio en numéro 10. Les pistons, on avait Nordi Mukiele à droite, Randal Kolo Muani à gauche, hein, qui avait un poste un petit peu hybride lui aussi. Et le duo d'attaque, c'était Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé, l'attaquant français qui avait le brassard de capitaine. Les changements effectués par l'entraîneur ibérique, donc on a vu l'entrée en jeu du frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, qui entre en jeu à la place de Lucas Beraldo, et l'entrée en jeu d'un nouveau Titi, Mayulu, qui est entré en jeu à la place du portugais Gonçalo Ramos. Donc la composition d'équipe qui était un peu. Ouais, c'était une équipe remaniée. Alors, on a vu Navas de nouveau titulaire, ça fait plaisir. Voilà, mais Navas qui était titulaire, il y en a, ils vont dire, ouais, il n'a pas eu beaucoup de repères. C'est normal, ça fait longtemps qu'il n'est plus vu jouer. Donc, tu sentais que ouais, Navas, il était un petit peu en difficulté. Il a obtenu un clean sheet, mais voilà, tu voyais qu'il avait du mal à avoir des repères. On a vu Ugarte des fois au milieu, des fois en défense. Mukiele qui jouait un peu plus sorte de piston droit, voire même ailier droit par moment. Ouais, c'était. Tu vois, le schéma tactique de Luis Enrique était un petit peu bizarre. Moi, j'ai plus vu, comme je disais, un 3-5-2, mais bon, il y en a, ils vont dire c'était un 4-2-3-1, d'autres c'était un 4-3-3. Voilà. Bah, c'était une équipe remaniée. On a vu Steve Solaire et Sherin Dour titulaire. Donc, il a fait tourner l'effectif, hein, Luis Enrique, il a bien raison. Faire jouer les remplaçants et préserver les cadres pour les matchs et les matchs importants. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'US Revel. Les amateurs ont eu 23% de possession de balle, 2 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signaler du côté du Paris Saint-Germain, 77% de possession de balle, 8 corners, 26 tirs au total, dont 18 tirs cadrés. 4 enjeux de signaler. Donc, quand on regarde les stats, bah, c'est clair, la possession de balle était en faveur du PSG. Ça, il fallait s'en douter. Les occasions aussi, on a clairement dominé cette équipe de Revel. Après, du côté des amateurs, bah, ils ont eu quelques opportunités. Bon, après, c'était pas non plus des passes à 10. Et puis, voilà, ils ont fait souvent des frappes de loin. Ils mettaient des frappes de 35, voire même 40 mètres pour essayer d'inquiéter Keylor Navas. Bon, voilà, ils ont essayé, parce que Navas était souvent avancé, il était souvent avancé, donc ouais, ils essayent de lober à plusieurs reprises, bon, en vain, mais de notre côté, voilà, on a su être efficace, on a su faire la différence devant le but, tout simplement. Les tops et les flops, hein, de cette rencontre. Moi, je vois pas de flop. Hein. Pour moi, quasiment tout le monde a été bon. Mis à part, alors il y en a, ils vont me dire encore, ouais, tu tapes sur Kolo Muani, tu tapes tout le temps sur lui. Mais c'est vrai que Kolo Muani, dans ce match, alors soit il inscrit un doublé, mais il a quand même loupé beaucoup d'occasions. Enfin, beaucoup
de face à face. Enfin, il a, pour moi, il a, c'est l'attaquant le moins satisfaisant de cette rencontre. Pour moi, il n'a pas été, il a pas été exceptionnel. Ouais, il a fait beaucoup de loupés. Ouais, pour moi, c'est pas le meilleur joueur qui a été sur le terrain. Mais après, ouais, dans l'ensemble, tout le monde a été bon. Je vois pas d'autres flops en particulier. Non, je pense que tout le monde a été bon. Pour moi, l'homme du match, mais évidemment, c'est Kylian Mbappé, hein. Un triplé. Il a été aussi passeur décisif. Il a fait un match complet. Asensio aussi, pour moi, qui mérite aussi le titre d'homme du match. Il a été très très bon, le milieu espagnol, qui a été dynamique, qui a été passeur, buteur. Il a également régalé. Pour moi, il peut être aussi homme du match, tout comme Mbappé. Solaire, qui a été très très bon aussi au milieu de terrain, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a été à l'origine de plusieurs buts du PSG. Cheikh Ndour également, qui a été très très bon, même si on ne l'a pas trop vu depuis le début de saison. Il a fait le job au milieu de terrain également. Donc voilà, non, je vois pas, à part Kolo Muani, je vois pas d'autres flops en particulier. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce US Revel Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire, pardon, dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je suis juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!